Salut tout le monde. Écoutez, je vous retrouve là sur la chaîne de la sorcière. Je suis en train de la chercher et je la trouve pas parce que j'ai un petit truc à lui demander. En fait, je voudrais lui emprunter sa petite cloche. Alors, je la cherche un peu partout, mais elle n'est pas ici. Je vais demander à Lily Rose d'ailleurs si elle sait sûrement où elle est passée. Elle a peut-être vu, hein. Donc, attendez. Allez-y. C'est bon, t'es là. Ça va, Lily Rose? Ouais, ça va. Bon, écoute, je suis en train de chercher la sorcière, là. Ouais. Est-ce que tu sais, est-ce que tu l'as vue dans la maison ou tu sais? Je suis pas sûre, mais je pense qu'elle est partie avec sa copine. Elle est partie? Faire les courses, ouais. Ah, c'est elle qui t'a dit qu'elle est partie? Je pense, enfin, je l'ai vue sortir de la maison. Ah, d'accord. Bon, donc elle est partie, alors. Ouais. Tu sais pas quand elle va revenir? Peut-être dans 1 heure, 2 heures, je sais pas trop. Bon, d'accord. Bon, écoute, je te remercie. Hein. Ouais, écoutez, les amis, je sais pas quoi faire. Si, peut-être, j'ai une solution. Parce qu'il me faut à tout prix, cette cloche. Parce que je sais que cette cloche a un petit pouvoir. Alors, je vais quand même aller, bon, même si c'est interdit, je vais quand même aller dans sa maison. Et puis, je vais chercher après cette cloche. Parce que j'espère qu'elle ne va pas m'en vouloir. De toute façon, elle revient dans 1 heure. Alors, j'aurai le temps de la reposer. Et puis voilà, quoi. Ni vu ni connu. Alors, oh là 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 là. Ici, voilà, mais... Oh bah, c'est bizarre chez elle, hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on voit? Oh là, il y a plein d'affaires. Oh là 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 là, c'est quoi tout ça? C'est toutes ces affaires? Mais bon, je trouve pas où elle est cette cloche. Oh là, il y a plein d'affaires bizarres ici. En fait, ça doit lui servir à faire toutes ces potions et tout ça. Bon, enfin bon. Alors ça me dit pas. Où est? Ah! Elle est là. Regardez. Ici. Je l'ai enfin trouvé. Oh là là. Je pense qu'elle va pas être contente si je la prends. Bon, enfin bon, écoutez, je vais la prendre. Et puis, tant pis, je vais essayer d'ici 5-10 minutes, je vais la remettre à sa place. Elle n'y verra que du feu. Allez, c'est parti, on y va, je m'en vais. Ah là 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 là, c'était long ces courses, si vous saviez. Ah, j'avais pris mon sac aussi. Hein. Salut les petites chauves-souris. Oh, tiens, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est Peppa Pig, je sais pas pourquoi il court en haut. Mais enfin bref, il fait tout le temps du bruit lui. Oh. Mais enfin bon, j'ai trouvé ce que je voulais. Je suis allé faire des courses avec ma copine. Oh. On a été dans la forêt là avec. Et puis on a été chez un marchand de limaces. Encore une fois, hein, il nous en manquait. Mais enfin bon. Ah, attendez, je vais poser mon sac. Hop là. Je vais poser ici. Hop, voilà. Je rangerai ça tout à l'heure. Bon. Bon, ah oui, c'est vrai. Il fallait que je prenne ma cloche. J'avais dit que je la prêterais à ma copine. Il faut que je le fasse tout de suite. Bah, d'ailleurs, où elle est? Hein? Où elle est ma cloche? Je la trouve pas. Bah, elle était là, pourtant, tout à l'heure. Hein? Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Oh non, les amis, hein? J'espère que Lily Rose ou Esteban, ils sont pas venus pour fouiller encore et puis me prendre mes affaires, hein? Bon, de toute façon, je sais comment facilement les retrouver. Regardez. Ah, bah il est là, oui, justement. Ah, j'ai un petit pendule qui m'aide à retrouver des fois mes affaires perdues. Alors, c'est très simple. Grâce à ce pendule, je vais pouvoir retrouver ma petite cloche. Alors, allons-y. Alors, donc, il faut la laisser immobile. Voilà. Et normalement, elle va me diriger. Alors, par où il faut aller? Par là, d'accord. Allez. Il faut aller par là. Bon. Écoutez, ok. Oh là là là. Bon. Ça me ramène, en tout cas, vers
la chambre de Lily Rose. À mon avis, ça doit être Lily Rose qui est venue. Alors, le pendu, oui, il me dit d'aller par là. Ok. Non, d'accord. Ah non, il me dirige vers la chambre d'Esteban. Oh, c'est bizarre tout ça. Ah, c'est peut-être Papa Pink, hein, parce que je l'ai entendu tout à l'heure en train... Oui, quand je suis revenu des courses. Est-ce qu'il me dit d'aller dans la chambre de Lily Rose? Oh non, c'est pas dans la chambre de Lily Rose. Il faut que j'aille. Il faut que j'aille par là. Il me dit d'aller par là. C'est la chambre d'Esteban. Ah, c'est bizarre, oui. C'est bizarre. Bon, on va continuer. D'accord. Bon, en fait, maintenant, l'important, c'est fermé. Non, c'est fermé, hein. Voilà. Ah non, il me dit de faire demi-tour. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Il marche plus fondu ou quoi? Bon, alors... Il me dit de revenir par là. Oh là 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 là. Hein? Il me refait le chemin à l'envers. Mais comment ça se fait? J'ai entendu, je viens d'entendre la sorcière qui revient là. Ça y est, j'ai pu faire ce que j'ai voulu faire. En fait, ce que j'ai fait, j'ai fait un prank à Esteban pendant qu'il dormait. J'ai fait aller la cloche à côté de son oreille. Il était pas vraiment content, ça l'a réveillé. Enfin, moi, ça m'a bien fait rire. Je vais disposer la cloche comme elle était tout à l'heure. Comme ça, la sorcière, elle n'y verra que du feu. Et puis, moi, je retourne là où j'étais, dans ma chambre. Comme ça, elle va croire qu'elle est faux-folle et puis qu'elle ne sait pas où elle avait mis sa cloche. Bon, allez, salut les amis. Faudrait que je change les piles, hein, de ce truc-là. Bah, d'habitude, ça marche. Hein? Hein? Qu'est-ce qui se passe, Esteban, justement. Ah, t'es là. Qu'est-ce qui se passe? Je cherchais après ma cloche magique. Et puis, je la trouve. Tu fais une vidéo en plus. Mais en ce moment, elle arrête pas de nous réveiller. Pendant qu'on dort, elle fait ses vidéos super tôt le matin, là. Qu'est-ce qu'il y a? Je faisais mes courses. Et quand je suis revenu, je voulais retrouver ma cloche. Et puis, je la retrouve plus, là. Mais tu crois que je vais la cacher dans ma chambre, ta cloche? Qu'est-ce que j'y peux, moi? T'étais en train de dormir, toi. Bien sûr, il est que 11h du matin. Bon. Moi, j'ai entendu Papa Pink, c'est peut-être lui, alors. On veut plus te voir ici. Bon, excuse-moi de t'avoir dérangé. Bon, écoutez, je vais retourner dans ma maison, et puis, il sera peut-être là, hein. Bon, oh là 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 là. J'ai dérangé, Esteban. Oh là là là. Bon, tant pis pour lui, hein. Moi, ça me fait plutôt rire, ça. Alors... en tout cas, le pendule, il me dit de revenir dans ma maison. Je sais pas pourquoi. Alors... qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il y a quelque chose de bougé, mais je sais pas quoi. Il me dit qu'il est là, en tout cas. Bon, ce pendule-là, franchement... je sais pas... Oh, c'est dur, je me suis fait mal. Je n'ai pas où. Ah, j'ai failli tomber. Bon, les amis, tant pis, hein. Moi, je vais chercher, je sais pas, c'est peut-être Lily Rose, hein, en fait. J'ai la berlou, quoi. C'est ma cloche. Hein, c'est la cloche que je cherchais depuis tout à l'heure. Oh là 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 là. En fait, j'ai réveillé Esteban pour rien, alors. Oh, non. C'est moi qui avais mal vu, alors. Bon, tant pis. Et dire que j'ai accusé Esteban ou Lily Rose, ou même Papa Pink, parce que je l'avais entendu tout à l'heure. Bon, tant pis. Allez, je vais pouvoir prêter ma cloche à ma copine. Allez, mes petites chauves-souris. Je vous dis au revoir, hein. Si cette vidéo vous a plu, hein, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Hein. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo où là, il y aura sûrement des trucs encore plus marrants. Allez, bye bye, à bientôt !